Ah, t'as besoin de dormir ici? Bah cool, on va y aller faire ça. Faut... comment dire? Et faut faire bah, tout ce qui est raid, légendaire, tout ça, tout ça. Ah, oublie pas mon arme légendaire du coup. Hein. Ah, t'inquiète, bah, je vais pour ça à la base. du coup, ouais, je t'ai pas expliqué ça du coup. Ouais, on va repérer les symboles, les machins qui ressemblent des A, des I. Salut Rifax. Et bah, on va descendre, sans crever si possible. Hop là. On va aller au X, tu sais quoi? Hop. Ah non, oui, c'est un peu pour monter. Bon, descendre encore un peu plus bas. Un peu. Alors, allez ici. T'es avec moi? Oui, je descends, je descends, je descends. Ok, il y a des méchants. J'ai exec un mec qui était mort. Du coup, merde, j'ai envoyé la plateforme où ça doit s'arrêter. Ah bah du coup, c'est les sorcières ici. Ah merde, on a pas l'épée aussi. Ah, on a pas l'épée, on a pas l'épée. Si ? Ah non, c'est les petites, c'est pas les grosses. Vas-y, bah si c'est les petites, on peut les péter. Mais moi, il y avait marqué mini. Ah ouais ? Ah ouais, il y a la grosse. Il y a la grande. En gros, je t'explique vite fait comment ça fonctionne, c'est pas tir au sort. Tu vois, t'as des médaillons là ici. Merde, j'ai tiré avec le truc. T'as des médaillons là où tu tiens. Ah, tu vois pas. T'as trois médaillons, tu vois ? Oui. Et ben en fait, ça te dit les trois tours où est-ce qu'il faut aller. Sachant que chaque tour a un mode bien spécifique pour pouvoir tuer le lad qui est là. Tu vois, là t'as une sorcière. Oui. Ben il faut aller chercher l'épée sur un champion. Et la sorcière, il faut la buter avec des Getsuga. Tandis qu'il y a un autre boss, ça faudra faire du corps à corps avec l'épée. Et un autre, faudra renvoyer les balles. On va chercher une épée, tu vas comprendre. Les épées, faut aller sur les chemins comme ça là. Il y a des gros champions qui sont sur la route. Pourquoi j'ai pris un arc, moi? Non, je prends pas parce qu'un arc, ça va pas le faire. Quand tu pars tout seul, ça va, mais quand t'es à plusieurs, un arc, c'est... Je l'ai pas vu, lui. Voilà, comme t'as 1750, tu devrais les éclater, les mobs, et encore, je suis pas sûr. Non, ça va. Faut prendre quelques balles, hein. Je vais essayer de trouver un pont. Y'a pas un pont, là? Ah bah, y'a un pont en dessous, il faut remonter. Oh, y'en a un, là. Oh putain, merde, c'est un ogre. Oh putain. Oh putain. Bon, les ogres ils donnent rien, c'est vraiment les chevaliers qu'il faut. Putain, y'en a pas, t'as vu deux fois qui sont des putains de chevaliers. Ouhou! C'est laquelle qui est allumée normalement, attends? C'est là, non? Ouais, c'est là-bas, faut suivre le faisceau vert. En fait, je crois que t'as confondu les infos, Ghost. Celle qui est allumée, c'est quand t'as fini les trois. Ah oui, ouais, après, non, mais du coup, c'est quoi, t'as fini les trois, mais de base, ouais, sinon faut aller dans la tour centrale, quoi. Ouais, tu peux rigoler avec l'épée, c'est ça, gars, c'est gratuit. Hop, tu peux voler. Ouais, tu peux voler. Ouais, sauf que là, moi, je vais... bah ouais, je suis... Ouh là ! Ah oui ! Ah bah là, Tu tombes tout en bas ? Ah bah là, ouais, je vais peut-être pouvoir monter, là. On va contrôler mon saut. Le saut du titan, faut aussi le faire, parce que plus tu tombes haut, et plus tes réacteurs, ils mettent du temps à ralentir le chute. Du coup, là, tu continues de descendre, on va que t'appuies sur espace. Je me suis souvent pété les jambes avec le titan. Ah, c'est ça, quand tu joues avec Ghost, généralement les genoux ils atterrissent au niveau des oreilles. De toute façon, moi je joue chasseur. Hein. Putain. Voilà, donc là t'as fini la première étape. Je vais rebaisser la sensi parce qu'il ne va pas sauvegarder ce gros chien. Sensi. D'accord. Hop. Mais il n'y a aucun double saut qui va sur le titan? T'en as un qui te renvoie vers le haut là. Non, c'est celui maintenant, le maniable qu'il faut prendre, je crois. Je sais plus, gros titan, mais je crois que c'est le maniable qu'il faut prendre. Alors là, je fais pas nappe, parce qu'il y a des pièges. Hop. Ah, d'accord. Je l'avais dit, gros. Bah, tu me dis, il y a des pièges, oui, mais qu'une épée sorte du mur, tu m'avais pas dit ça. J'aurais dû te dire, mets tes pieds là où je les mets les miens, j'aurais dû te dire. En plus, je me suis trompé de côté, c'est pas grave. Ah, bah, vous avez reste du coup. Hop, hop, hop. Bah, faut vraiment en fait te mettre au bord des plateformes, parce que quand tu te mets au milieu. Putain, c'est quoi ces jumps de merde? Non, c'était pas rebondi sur Knight. Il a fait le même temps. Putain, ça vaut net. Ouais, c'est ça. Ah, bien, toi ici. Putain, elle est tombée en plus. Eh mais... Ah, c'est my bad là. Non, c'est Nike qui m'a retombé dessus. Elle est tombée. Ah, c'est encore après? Attends, mais ils ont modifié des trucs ou quoi? Normalement, tu pouvais encore monter là. Ah, c'est celui-là là-bas normalement de MMA.
Ah, faut monter ici du coup. Je vais y aller tout d'un seul coup pour voir si c'est vraiment celui-là, parce que j'ai l'impression qu'il me prend pour un con le jeu. Hop. Ah, c'est là où je suis, voilà, c'est bon. Bon, je vous laisse trouver un chemin et c'est là où je suis. Hop. Enfin, c'est avant là où je suis. Vous allez voir une phrase au sol doré là. Oh, ah, ta mère. Oh, ta mère. Ouais, non, mais sérieux. Non, mais des textures des fois qui. Comment dire, qui. En gros. Qui glissent, d'autres textures qui glissent pas. Destiny, c'est un jeu de savon, gros. C'est, tu, soit tu glisses, soit tu. Y a des bumpers. T'atterris sur la plateforme, tu te fais repousser. Il faut aller où après? Ici, là, y'a rien. Marque pas dessus, marque, saute au-dessus. Saute au-dessus de la trace noire et va sur la trace dorée. Et là, tu fais E normalement, non? J'ai rien. Non, bah c'est à l'intérieur, hein, du coup, c'est ici. Là, je vais me faire bum, tu me prends pour un con? Ah, rien. Ok. Bah, j'ai rien. Au point à gauche, si. Ok. A disparu, la, le voyage, nouvelle étape. Les paris à monter la garde sur bien plus que le désespoir, car dans ces tunnels il y a de nombreux secrets. Fin du chemin localisé. Voilà, on peut continuer comme si on faisait le donjon pour l'instant, c'est pas ici. En gros, ici c'est une sorte de labyrinthe. Bon, quand tu connais, c'est plutôt un labyrinthe, mais c'est une sorte de labyrinthe. Tu dois, à la base, j'ai bien dit à la base, tu dois aller récupérer des boules pour enlever la barrière, enfin trois barrières précisément, pour pouvoir continuer. Mais là, on doit faire autre chose. On doit aller chercher, on doit l'activer une plateforme invisible pour la récupérer. En effet, une boule, mais là c'est une boule de feu. Pour aller allumer des brasiers. Tu te rappelles quand on était sur la map, on a allumé des coupelles de feu. Voilà, c'est la même chose. Pour pouvoir ouvrir une porte, entrer dedans et aller récupérer enfin le xénophage. Okay. Et après, on finira le donjon. Pour, t'as trois ogres qui patrouillent, ou deux, je sais. T'as des ogres qui patrouillent. Quoi. Ils sont invulnérables, tu peux pas les tuer. Le seul moyen de fuir, bah, c'est soit de courir, mais il court assez rapidement, soit tu vas dans les petites trappes là, tu vois. Hop, tu vas dedans, touc. Okay. Et ils peuvent pas rentrer. D'accord. Bon, des fois, il y a des mobs. Donc, des mobs. Et c'est dedans, dans ces trappes là, que tu récupères les boules, justement. Ok. Et donc là, là pour l'instant, on va y aller voilà, à la zob. Voilà, on va y... Hop là, hop là, hop là. Hop, 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 hop. Alors, comment ça se passe? Il y a une connasse là-bas. Elle est invue. Elle est invue. Tu vois ici, là, aux quatre coins de la map, t'as un truc. Là, c'est le feu. Ça, je crois que c'est le neutre de base. Celui-là aussi. Et derrière, le cryo. Et le cryo. En gros, je crois qu'il faut ramasser de mémoire une boule. Et il faut la mettre selon l'élément qu'on veut la debuff. Je crois que c'est pas ça. Ou alors, c'est pas... Ou alors on n'a pas le choix. On attendait des armes. L'élément s'affiche dans ta barre. Ah voilà, ok, ouais, c'est ça. Faut ramasser une boule dans les quoi dedans. Et après, c'est quoi, on va faire ça? Mais on va faire comme ça. On va rentrer. On va aller ramasser une boule sur un champion. C'est quoi? C'est sur un champion ou c'est dans. C'est un champion, genre la boule abyssale qu'on a fait tomber tout à l'heure. Ah ok. Bah, on le ramasse et on revient ici. Puis je t'explique, j'essaie de te montrer des stratégies en la lâchant et en te donnant pour qu'on comprenne. Donc là, je vais à droite chercher la petite boule que je veux, c'est ça? Va où tu veux faire ta campion avec la boule. T'es pas un chambier comme ça là. Par contre, fais gaffe à la sorcière, quand elle t'a lock, mets-toi derrière un mur, hein, parce que elle l'a pas la faire. Y'a pas de champion, hein. Allez au centre. Ah non, t'as l'autre centre. Ok, ouais, derrière. Cool. Ah oui, je vais là, ouais, c'est bon. Reviens en arrière, viens scratchy, et prends notre. Ouais, okay. Je vais essayer de te la lâcher, je sais pas si elle va disparaître. Hop. Ok, ramasse là. Toi, t'as un buff marqué. T'as un buff marqué effroi neutre au-dessus de ta barre en vert, non? Non. Oui, effroi abyssal. Effroi abyssal. Ok, donc toi, tu savais dire que tu dois là. Regarde le symbole de l'abyssal. Ok, c'est le A. Et là, tu dois percer dans la salle un totem aussi. Tu dois faire E et qui ressemble à un A comme ça. Et dès que t'es fait. Il est au fond à gauche. En gauche? En bas ou en haut? En haut. En haut, niveau supérieur. Ouais. Ok, donc là, tu restes sur la plateforme là. Tu longes tout la gauche. Ouais, ouais, j'ai compris. Et une fois qu'elle est debuff, il faut taper en abyssal. Est-ce que t'as une arme abyssale sur toi? Non. J'ai du blanc, j'ai cryo, électrique. Ouais. Ah si, lourde, violette. Non, c'est comme ça va. Voilà. Non, pas le type de munition, vraiment l'élément sur l'arme. T'as pas? Pas de flamme, machin. Bah, j'ai du. Non, j'ai du vert, j'ai du bleu. Et j'ai une flamme, si. J'ai un snipe.
Ah non, ouais, donc non, en fait. Non, équipage, je dis flamme au pif, hein, mais c'est l'abyssal qui fait. Donc là, c'est, quel, c'est, quel, c'est quelle couleur les l'abyssal? Un rond violet. Non, j'ai pas. Et donc là, ce tour-là, quand tu vois des buffs, bah, tu vas rien faire. Voilà. Ça sert rien à rien. Au pire, des mobs si tu veux se sécher, mais tu pourras pas le toucher. Nous, on va taper. Vas-y, bah, je te laisse aller poser, puis. On va attendre, je vais la débuff avec la flèche. Faut l'acheter sur elle, la boule. Ah oui, et il faut la poser la, après la flèche. Tu la charges, tu ouais, la charges vas-y. Et après tu la jettes. C'est bon, je l'ai posé, pour mais je peux pas ramasser, hein. J'ai plus rien à ramasser. Non, hein. Non, non, mais tu dis des conneries. Hein. Quoi? Non, tu dis des conneries. Ah non. Toi, t'as pas mine. Je l'ai posé pour toi. Et là, je l'ai tapé pour voir. T'es sûr que c'était la bonne? Ah, peut-être que si tu l'avais pas chargé, c'est-à-dire que c'était pas le bon hôtel, je pense. Bah, si, c'est le. Net. Ah ouais? Ah, j'ai F3 note pour moi. Donc, et le note, vous savez ce qu'il est quoi? Moi j'ai le ardent. C'est l'autre qui est au super. Ah, ouais. Il y en a deux, elle est carrée en haut et c'est l'autre qui est. Ah ouais? Ok, bah je vais. Parce que peut-être comme moi je l'avais ramassé, c'était considéré comme neutre. Comme il a posé dans la missile, ça m'a rappelé peut-être aussi. C'est possible. Je vais casser un peu le truc. C'est celui-là, tu me dis? Ouais, c'est celui-là. Vengeance. Ah non, non, et tu vois, j'ai plus. Ah non, c'est que celui qui l'a pas, ce qu'il l'a. What? En fait, moi j'ai les froids neutres, mais là je peux taper en neutre. Hein, c'est. À mon avis, c'est que celui qui la pose. Hein. Donc en fait, prenez une boule à chaque fois que vous pouvez, allez au milieu. Et si vous faites pas de dégâts à la boss, allez prendre une boule, regardez votre effroi, et allez activer le. Ouais, moi tu peux la taper là. Ouais, c'est que la personne qui pose la boule. Ah, c'est. Bah, tu vois, moi j'ai plus les par contre, dans mon scénar, t'as du tout, tu vois. Ouais, tu peux. Alors là, là j'ai effroi foudroyant. Foudroyant. Ah, voilà, bah tu peux ramasser une boule au milieu si. Effroi si foudroyant. Tiens, tiens. Attends, t'es où? La foudre, c'est un V. C'est un V. Ok, je le vois, je le vois. C'est un V avec un demi-cercle. Attends, je vais te faire. Ah, c'est pas celui en dessous là ici. Ok, c'est celui-là. Voilà, moi je peux le taper en foudre, mais j'ai pas de foudre. Donc, hein. Il est où? Moi j'en ai de la foudre. J'ai pris tous les mobs de la rue. C'est bon, je l'ai posé. Ah là, tu peux taper. T'as les trois foudroyants avec un timer écrit sur le truc, c'est que tu peux taper. La boss, hein, pas les gens. Ouais, je la cherche, mais j'ai du monde au cul. Elle est où celui-là? Elle est toujours au milieu en train de flotter quasi. Ah, moi j'ai pas d'effroi là, j'ai ramassé la boule, mais j'ai pas d'effroi. C'est normal ça. Là je vais leur poser, leur prendre. Ouais, là j'ai le nœud, la nœud c'est quoi? Ok. T'as qu'une moitié de l'appui sur G. Et quand t'as pas d'effroi, Ghost, ça se passe comment? Je sais pas, la boule elle est pas d'un élément la boule dehors? Non, elle est toujours. C'était trois fois que je l'emmasse. Ah, ça y est, froid neutre. Putain, j'ai toujours les froids neutres de merde moi. Bon bah je l'ai tapé en petite coche là. Elle m'énerve à se cacher derrière le pied. J'ai les froids abyssal. Ah bah écoute, taper en abyssal. Ah bah je l'ai pas, mais je te le donne. Ouais, vas-y donne, mais à mon avis je sais pas si ça va transmettre l'élément. Dans la pièce. Vas-y j'arrive. Je suis pas sûr que ça va transmettre, mais on va essayer. Et moi j'ai l'impression qu'on a tous un élément prédéfini, non? Enfin qui change quand tu l'as. Et que t'as mis une première boule, mais sinon. Ah, c'est pas d'élément. Je vais attendre. Non, c'est pas d'élément. J'ai abyssal encore, du coup. Bah attends, ouais, je vais la reset du coup. Ouais, il a peut-être raison, du coup. Je vais changer aussi, je vais la poser au pif, moi, pour essayer d'avoir l'abyssal, parce que peut-être ça me casse les couilles. Ah, ça y est, j'ai l'abyssal. J'ai abyssal, je vais pouvoir aller faire des dégâts. Il est où celui du cryo? En bas à gauche, non? Quand on rentre dans la phase, c'est celui-là? Il est en bas à gauche, oui. Ah putain, oui, il est sous un pylône, ok. Moi je vais l'appuyer normalement là. Je vais l'abyssal, c'est le plus fort de guillemets. Ah, pendant que j'ai le buff, les boubous là font quoi? Ah, mais je fais, ça y est. Moi je suis espérant. En abyssal, c'est mes armes les plus fortes. J'ai eu le voyage, retourner voir Iris avec l'insecte de la ruche. Voilà, on peut finir le donjon tranquille, t'as fini. C'est ça? Ah ouais, t'auras le xénophage à la fin.
Là, on va arriver sur la partie la plus chiante quand tu le fais en solo. Vous êtes où là? Ouais, longe le truc, pas déclenché. Prends le drapeau pour le super et tout. Et en gros, tu vois les trois portes qu'on a ouvertes là, c'est-à-dire là d'où on vient, ici et le côté, il y aura des champions qui vont venir, des chevaliers, avec la grosse barre jaune là, tu vois. Ils vont venir, et il faudra les buter, ramasser des boules, et tu vois, là, juste en face là, une sorte de puits un peu dark là. Une sorte de quoi? Ouais, un petit puits, ouais, comme quand t'as posé la pomme ici. Ouais. C'est ce truc là, là, ouais. Ah, ça. Ouais. Donc ça, il faudra poser les boules dedans. Tu vois, il y a des marques à gauche, trois marques vertes et trois marques vertes à droite. En gros, faut poser 6 boules et on passe à la prochaine étape. La difficulté, c'est que t'en prends plein la gueule tout le temps et il faut absolument quelqu'un sur la plaque. Tu vois au milieu, là aussi, qui sont en train de prier, là. Ouais. Il y a une plaque. Si quelqu'un se barre de la plaque pendant plus de, je sais plus, on va dire 20 secondes, 30 secondes, ouais, je crois que c'est 20 secondes. Bon, pendant plus de 20 secondes, ben tout le monde meurt. Voilà, donc si tu vois que c'est la merde, je vais rester au milieu. Je vais vous laisser non, vous balader. Je peux rester au milieu, et je suis titan, j'ai un shield. Vas-y. Ouais. Et si tu vois que c'est la merde, parce qu'ils vont balancer des grenades de feu, sinon c'est pas drôle. Tu vois que c'est la merde, tu peux sortir. Hein. Tu peux sortir. Hein. Mais dès que tu vois que le pilier au milieu il commence à devenir rouge flamboyant, ça veut dire que ça va péter et tu te remets en rouge. Voilà. Okay. T'as juste ça à faire pour pouvoir ramener les boules. Okay. Allez, hop, parti. Tu peux y aller. Bah attends, va pas sur la plateforme. C'est 6 non? Il y a 6 marques. C'est 6? Ouais. Va pas sur la plateforme, regarde derrière toi, tu vois là? Là faut y aller. Ouais, viens rouge là. Ok, d'accord. Là faut y aller. Ça fait qu'il y a des. Il y a des côté knife ou des. Ah oui, il y a des snipers qui vont pop en haut à droite et en haut à gauche aussi. Ah, c'est bien, la vidéo pour le chevalier. Ok, j'ai la première boule. Hop. Bon, 3 ça c'est simple en boulot, c'est vraiment quand t'es tout seul que c'est la merde. Je te dis quand il y a des mobs qui ont pop en haut à gauche et en haut à droite, comme ça tu verras où est-ce qu'ils sont. Là maintenant, regarde en haut à gauche et en haut à droite. Ok. Ouais, eux ils sont différents, pour ça je les tue juste en phase. Normalement, le chevalier, s'il a pop à gauche, il peut être au milieu maintenant. Ah, il est au côté de sûrement. Ah, bah, j'en fais une grenade pour rien, ça te reconnaît ça. Ouais, pas pour que je te la bol. Vas-y, moi je suis en train de la revolver. Ouais, c'est rigolo le revolver ici. Il y a des explosifs jaunes sur les gueules. Ah, ouais, bah j'ai mis une patate dedans, je fais crever. On a été déjà au prochain spawn. Très bien ça. Ah, bah nickel. Je l'ai pris, je prends le relais. Si j'y arrive. Ce sont des explosifs barre jaune. Ah, en haut. Ils ont changé, c'est que des chevaliers maintenant. C'est bon, c'était pas des gros chevaliers barre jaune carrément, pas barre rouge. Ils ont changé, je pense qu'avant ils avaient des barres orange. Je sais plus, je me souviens, c'est une vague. Ouais. Parce que de mémoire, c'était au pic du Léviathan, pas aux Xénophages. Là, je leur ai mis de balles, ils ont sauté ce mec. Donc, il est par les heures prochain. Ok. Oh, j'ai pas de grenade en plus. Ils sont fragiles aussi. Oh la petite flèche là, c'est le bordel. Ah, t'es pas bon en haut, c'est bon, c'est parti. Ah, ok, d'accord. Le peu, non? Non, les grenades doivent être chercheuses de. Je vais t'échouer en haut comme ça, je peux emmerder. Mais ils sont trois en haut là! Voir plus toi! Ah ouais, quand je me coupe pas, putain, c'est débordé encore! A droite maintenant il est. Prenez ce petit peu de dégâts après que on est trois. Il reste encore. Bah, c'est la dernière normalement. Non, mais vu, moi j'ai une petite facilité. Ouais, parce que. Je pense que c'est fini. T'avoues que lui, on l'avait fait en blind, on est mort au moins 5-6 fois en cause de la plaque des meilleurs, on va comprendre. Hein. Comment dire, c'est des sales boss? Non, on a mis la. On arrive pour le fun, gros, t'inquiète. Ah, d'accord.
encore une étape et après c'est le boss. Ouais, c'est ça, et ici c'est le fun. En plus, toi t'es en. T'es en titan, tu dois te. Hop ah bah... Ici c'est le destructeur de Flawless, gros. Des mecs qui veulent faire sans mourir ici, ils demandent à Ghost. Tu connais Indiana Jones? Ah ouais, ici c'est le temple maudit, gros. Non, tu peux t'arrêter sur les rebords, en vrai, ça se fait tranquille. Ouais, bon, en chasseur ça va. Mais en titan, en titan, je trouve que c'est plus chiant. En arcane, ça va parce que dès que t'appuies sur espace, t'arrêtes ta chute. Bon, ça va. Mais le titan, il arrête pas tout de suite sa chute. C'est chiant. Ouais, chiant, là, des fois, quand on était à plusieurs, des fois, il y avait des dessins qui étaient pieds. En sérieux? Et du coup, quand t'arrivais, tu disais c'est bon, ça passe, et en fait, non, pas du tout. Ouais, ça va. Tu vois, le rouleau, il est à ta gauche, et genre loin, hein. Puis là, il n'y a rien à terre. Pourquoi? Tu vois ton cadavre qui. C'est ça. Il fait des. Ah putain, et le boss de fin, de toute façon, tu vas voir musique banger. Ah ouais, c'est ça, tu vas te mettre dedans. Hein. Parce que la fin. Non, mais par contre, maintenant que je sais qu'on peut s'arrêter sur des plateformes, c'est bon? Entre chaque truc? Ouais, bah c'est moi j'ai l'habitude de spotter, donc j'aurais que j'arrête de te le dire, hein. J'ai pas pensé, excuse. Le pire, c'est qu'en plus, avant, t'avais des collectibles à récupérer. Ouais, pourquoi je meurs? Parce qu'il faut se mettre sur le côté, faut pas descendre tout en bas. Et vous pouvez pas le dire avant? Mais tu te vois pas, gros, c'est marqué Nightcrawl et ils t'ont pas vu faire tout. Tu me dis saute, je saute. Ah oui, d'accord. Là, je suis titan, en titan, c'est comme Yop dans Dofus, hein. Quoi, je t'envoie mon PayPal, fais-moi un virement, s'il te plaît. Ah, tu vas pas le faire, bizarrement, là. De quoi? Bah, je t'ai demandé de me faire un virement, tu le fais pas? Ouais, t'es con. Donc là, tu vois ici, c'est écrit là. C'est un peu le même principe, c'est tu dois trouver la tour X, la tour Vex, donc on va dire V, et la tour, je sais pas c'est quoi comme si, la tour W. W, on va dire, allez. Et bah, tu dois trouver ces trois tours et tuer les trois sorcières qu'il y a dedans. Les sorcières, je crois que c'est qu'en clic droit ou on peut les buter? Non, on peut les buter normalement. On peut les buter comme on veut. Alors, t'as juste mon prospecteur là. Faut taper avec quelle arme principalement là? Bah là ça sera les épées. Ce que t'as fait au début du donjon c'est la même chose en fait, t'as 3 tours là. Ouais j'ai pas d'épée, ah oui d'accord. Après c'est pas grave, hein. Non, c'est pas besoin d'épée. En gros à gauche t'auras une tour combat au cac avec l'épée. Bon là, tu fais un chevalier et se battre avec l'épée. En face c'est la vigie, donc faudra apparaître. La totalité de base, je sais pas que t'as mis toi. Et à droite c'est la sorcière donc avec les Getsuka, les clics droits. Et ça, une fois que t'as fait ça, tu récupères la boule, tu vas la mettre... bon là on le voit pas ici. Je vais pas déclencher parce que sinon ça va faire chier le monde. En gros, c'est dans l'arène du milieu, t'as, sur les bords de l'arène, t'as des piliers aussi. Ouais, voilà. T'as ça à faire. Et une fois que t'as fait les trois, le boss devient vulnérable uniquement si t'es dans le cercle au milieu. Donc, Au milieu, pas dedans, là où il y a le menhir, là. Ouais, l'obélisque, je sais pas quoi. Là. L'obélisque. Tout le milieu, ça va devenir vert, et dès que t'es dedans, tu peux fracasser le boss. Fortement, il continue à te fracasser la gueule, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, généralement, on fait deux phases, c'est fini. Quoi. Si on a un DPS correct. D'ailleurs, je vais prendre mon petit ça prospecteur. Ça va, j'ai des munitions pour mon lance-missile. Lance-missile ouais. Bon, c'est pas vrai, c'est pas rien d'autre, c'est mieux que rien. Ah si, j'ai mes petites mitraillettes sur moi, quoi. C'est juste que d'ailleurs, est-ce que cette quête elle avance? Parce qu'en fait, j'ai une quête où elle me demande de tuer des cauchemars avec l'arme que j'ai. Et apparemment, non, pour récupérer des morceaux de collier récupérés et non. Non, mais pour lancer des cauchemars direct, je peux m'en chercher les morceaux du collier de Saimota en éliminant des cauchemars sur la lune avec des capacités cryoélectriques. Les capacités, ça prend en compte les armes cryoélectriques? Ou c'est que les capacités? Non, ah, capacité, c'est que capacité. Avec voilà, capacités cryo. Ah bon, bah je vais me passer en cryo alors. Tu passes en cryo et tu tues avec des grenades ou des coups de poing. Ou des. Ici ça compte pas. Ah, non, ah, ici c'est mort aussi. Ouais, mais je vais passer en cryo histoire de pas oublier. Passe en Superman, ça peut aider ici. Je sais pas c'est quel spé, t'as un ulti, il fait un gros point en avant et il fly et il se percute contre le mob. Et ça peut être utile ici vu que la phase de burst elle est assez courte. Attends, je vais déjà faire ça. Hop. Je vais passer en multi-flèche avec Moebius. Des collisions balistiques en l'air après avoir sprinté, activez votre attaque de mêlée chargée pour frapper le sol et infliger des dégâts aussi proches. Non, non, c'est un ulti-cryo. Ulti, hein, pas... Ulti-cryo, j'en ai pas d'autre. Et il te dit quoi? C'est ça qu'il te dit?
Bah non, l'ulti Clio, le seul truc que j'ai, c'est onde dévastatrice. Après, Ah, c'est avec l'épaule. Oh. Ouais, c'est le dernier coup boss qui est de tout en tonnerre, bas, je l'ai pas. super. C'est celui-là, coup de tonnerre, hein. Mais tu l'as pas. Ah, ok. Là, bah, sur le boss, n'utilise pas l'ulti, hein. Tu vas faire zéro dégâts. Prends ton arme lourde et puis. Dès que t'as fini de vider ton arme lourde, à ce moment-là, ulti si tu veux. Donc, ralliement, hop, on est prêt? Ouais, je vous suis. Ouais, vas-y. Hop, parti. On va faire une petite musique. Ah, c'est sympatoche, quoi. C'est pas la meilleure que je veux, mais j'aime bien. Allez, chevalier, on va se planquer là-bas, là, parce que. Sinon, on a tout le monde sur la gueule. T'as toujours des petites merdes en fait dans les tours. C'est pour ça que moi j'aime bien nettoyer les tours avant. Je peux pas, gros Knight. C'est le chevalier putain. Ils sont immunes, merde. Ah, c'était pas Knight, merde, c'était Strass. Attends, mais c'est celui qui est putain, c'est merde. Putain, mais je me fais baiser aussi, je suis trop con. Ouais. Je me casse, moi, pour la peine. Il est. Il faut taper au cac, lui. Lui au cac, mais avec l'épée de chevalier. Hein? Oui, une épée de chevalier. J'ai une chevalier. C'est bon, j'en ai une. Va faire autre chose de Scrat, je suis déjà sur le chevalier. Bah, je connais pas, donc on va dire que je fais ce que je peux. J'ai l'orbe, je te laisse la prendre ou tu la prends? Je vais la prendre, mon arme elle a déjà. Elle est qu'à la moitié. Vas-y. J'ai pété la deuxième, la vigie je l'ai pété, je vous laisse ramasser l'orbe si vous voulez. Je vais à la sorcière, j'ai une épée. Ouais, bah tu fais la route à clic droit. Ouais, clic droit. Get you down. Ouais, il y a des petites merdes sur la route aussi. Il y a une petite technique aussi si tu veux taper, c'est si tu fais clic droit en faisant S en arrière. J'en ai deux. Hop, je peux pas le ramasser si, si. Bon, je l'ai pris. Attends, c'est toi qui l'as prise. T'as posé Knight ou quoi? Ça va. J'ai posé les deux. Ok, donc attends, Strati, va pas la poser parce que le mob il est juste à côté de toi. Voilà. Ouais, sauf que là j'ai du monde au cul. Hein. Ah, c'est pour ça que je le vois bien. Et dès que tu peux poser, tu poses et on va au milieu, on le fracasse. Ah, vous me dites quand vous voulez, vous êtes prêts? Vas-y. Go. Aïe, ouh, j'ai pris tarif. Ah bah, je suis mort. J'ai pas. Oui, j'ai tout pris dans la gueule. Je me suis fait tuer par mon propre prospecteur. C'est bon? Bien. Merci. Gâteau fort. D'accord, et je vais tirer une roquette dans la gueule, je suis revenu. Non, c'est qu'il a balancé le casserole, mais j'ai oublié de le lire ça. Merci pour le follow. Mais ça marche plus. Ouf. Mais la bump le bâtard. Voilà, là faut sortir, il va tout faire péter. Sortir de la zone. Et faut recommencer ce qu'on a fait. C'est ça. Allez, quand il le jugeait, la musique, elle est terrible. Et là, faut recommencer. Là. Moi, je dois reprendre la vigie parce que c'est un peu la plus chiante à faire. Bah, je suis avec Nate sur la sorcière, comme ça je prends la boule dès qu'il l'a tué. Ouais, bah, ouais, ça merde pour ce point-là. Là. Ah, les deux chevaliers sur la gueule. Ouais, mais les gars, vous avez craqué aussi. Moi. C'est cool, ça. Je pose la première boule. Il y a un milliard d'épées, tellement que j'ai tué ce chevalier, il y a un milliard d'épées. Oh. Attendez, ils ont réduit le recul du counter. Parce qu'avant, ton adversaire il s'envolait quand tu faisais un counter de la vigie. Ouais, c'est invisible, c'est invisible. Ah ouais, ton adversaire il faisait dans le haut là. Culé! Ah! On va sortir, mais je l'ai vu. Et ok, c'est mort. Côté de Knight, chevalier. Ah oui. Oh gros, quand tu te bats contre le chevalier, ça fait n'importe quoi. Ouais, ça travers. Ça travers et tout. Il fait des déplacements instantanés. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'ulti aussi. Hop, ta gueule. T'as un ulti aussi sur l'épée. Bon, façon de parler, l'ulti parce que c'est juste un coup le sol quoi. Mais... Attends là. Ouais, c'est vrai qu'il fait mal par contre. Par contre, la poule elle a 10 points. Je l'ai. Ah, vas-y, bah un coup quand tu veux. Il faut être bien au centre, c'est ça pour le. Bah dès qu'il a. Il manque une poule là. Bah y'en a une que vous avez pas pris. Moi j'ai posé celle de la sorcière moi. Attends, j'y vais. À côté gros.
Ah, il y a une boule au niveau de... Ouais, j'y vais. Ah, j'en ai une. Ouais. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi elle repopait. Ça, avant, ça faisait pas ça. Ah, mais est-ce qu'il y a peut-être un timer? Je la garde sur moi, pour l'instant, ou pas? Non, bon, c'est pas l'oublier. Je vais la poser. C'est du côté de Night qui est allumé. Ok. Tu vois, il reste une roue là-bas. C'est bon, on peut y aller. Il y a la musique, là. Ta-ta-ta. Ah, la casserole. Non, c'est bon, il l'a pas fait. Il s'est arrêté. Si vous avez eu le cheat, j'ai fini, c'est là. Hop. Hop, je suis mort, mais normalement, vous le terminez. Ah, c'est bon. J'ai respawn pour remplir. Sauf qu'il a pété le bot, hein. C'est une victime, ce boss, maintenant, putain. Ouais, j'avoue, c'est un caca. Hein. Mais encore, je me suis laissé à 1600 exprès pour pas faire trop de dégâts. Je suis à 1006 aussi. Hein. Par contre, j'ai pas eu l'arme les gens exo. Ah, la tour, quand tu vas rendre ta quête. Ouais. Ah, faut que j'aille parler à la gonzesse. C'est pas sur la lune.